ces temps où le corps éclot pour s'avilir, où des races, le sang fatigué dégénère, tu nous épargneras, Suzanne, enfant prospère, de voir en toi la fleur du genre humain pâlir. Deux artistes puissants sont jaloux d'embellir, en toi l'âme immortelle et l'argile éphémère, le dieu de la nature et celui de ta mère, le travail à t'orner et l'autre à t'ennoblir. L'enfant de Bethléem façonne à sa caresse ta grâce. Cependant, des enfants de la Grèce sautent encore aux yeux le modèle invaincu. Et par cette alliance ingénument profonde, dans une même femme auront un jour vécu l'un et l'autre idéal qui divise le monde. »